Alors maintenant pour ce petit exercice pour apprendre à lire et à écrire. Donc dans un premier temps, on écrit son prénom et son nom en haut. Je vais changer. Voilà. Ensuite, alors ce que l'on va devoir faire, on voit ici des mots, on voit des lettres, des mots et on voit ici des images. Donc, et ici on a des petites cases vides. On voit bien qu'il y a un mot, une image, un mot, une image, un mot, une image. Alors, nous, on va essayer de faire chanter les lettres pour savoir ce qu'elles racontent. Et on va essayer de trouver ici à quoi ça correspond. Alors attention, c'est parti. On va déjà, dans un premier temps, voir le nom des mots. Alors, ici, nous avons du café. Ici, nous avons du sirop. Ici, nous avons une porte. Ici, nous avons un cacao. C'est du chocolat, un cacao. Ici, nous avons une tomate. Ici, nous avons du salami. Et ici, nous avons une tarte. Café, sirop, porte, cacao, tomate, salami, tarte. Donc maintenant, on va essayer de faire chanter les lettres pour que l'on puisse lire les mots. On y va. Donc je vois ici un L et ici un A. L, A. L, A. La, la. La, P, O, R. Cette lettre est grise, ça veut dire qu'elle est muette, on ne la lit pas. La, p, o, p, o, po, po, por, por, port, porte, porte, ah, porte. Porte, je regarde ici. Oh, quel est le numéro? C'est le numéro 3. Donc maintenant, je vais prendre le numéro 3 et je vais aller l'inscrire ici. Et donc, voilà, j'écris maintenant ici le numéro 3. Donc voilà, ça va être à vous. Je vais juste vous rappeler une fois le nom de toutes les images. Comme ça, vous pourrez faire l'exercice facilement. Attention, le café, la porte, le cacao, la tomate, le salami, la tarte. Et maintenant, c'est à vous.